Star Academy, ce détail concernant Pierre Garnier qui inquiète beaucoup les internautes. Depuis le lancement de la tournée de la Star Academy, les internautes postent de nombreux commentaires au sujet de Pierre Garnier et de ses camarades. Sur des vidéos publiées après le concert, un détail concernant le gagnant de l'émission a particulièrement retenu leur attention. C'est l'événement musical de ce début d'année 2024. Depuis le 9 mars 2024, Pierre, Julien, Elena, Lenny, Axel, Djibril ainsi que Candice, les candidats de la 11e saison de la Star Academy, sont en tournée dans toute la France. Et devant le succès colossal de cette édition 2024 de l'émission de TF1, les producteurs ont décidé d'organiser plus de 70 concerts afin de combler tous les fans du programme, et il y en a énormément. C'est à Amiens que le coup d'envoi de l'événement a été donné. Les concerts se termineront en juillet prochain à Bruxelles. Pour ceux qui n'ont pas la chance de se rendre sur place ou ceux qui en veulent encore plus, Candice propose sur sa chaîne YouTube des vlogs sur les coulisses de l'événement. On peut y suivre les ex-pensionnaires de Damaril Ellis. À noter que la tournée Adore est déjà réservée des surprises aux fans, la venue de Clara, qui ne devait pas participer à la tournée, ou bien de Brigitte, la mère de Elena, la candidate belge. Mais ces derniers jours, c'est un tout autre détail qui a attiré l'attention des fans de l'émission. Pierre Garnier souffre énormément, comme en attestent plusieurs clichés et vidéos postées sur les réseaux sociaux. Des vidéos qui me choquent. On peut alors découvrir le grand gagnant du programme en train de se boucher les oreilles alors que les téléspectateurs hurlent. L'inquiétude monte du côté de ces fans qui appellent les spectateurs au calme. J'ai vu des vidéos qui me choquent là, les académiciens ne sont pas des bêtes de foire, il n'y a pas à gueuler comme des fous, à les oppresser comme vous faites. Pierre souffre de ses oreilles et les autres restent proches des vigiles parce que vous leur faites peur bande de tarés, par contre c'est hyper bizarre que Pierre ait toujours son problème aux oreilles. Surtout que là avec la tournée plus les cris des gens qui veulent une photo ça doit s'empirer ou encore Pierre qui doit se boucher les oreilles à cause des folles qui lui gueulent en pleine face devant l'hôtel « Je vais péter mon crâne », peut-on lire sur X, anciennement Twitter. Pour rappel, Pierre Garnier avait déjà souffert des oreilles pendant son aventure au château. Avant la finale qu'il opposait à Julien, il confiait ne plus entendre correctement. Un problème loin d'être résolu, visiblement.